Salut tout le monde, salut YouTube, salut à tous, c'est Chaos. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'ouverture. Cette fois-ci, ce sera des duopacks origine antique. Alors, pour éviter le bordel qui s'était passé la dernière fois avec les tripacks, ils ont été préparés à l'avance. Bon, malheureusement, voilà, on était obligé d'avoir les trois mêmes Mewtwo en promo. Mais bon, c'est pas grave. Ça c'est ce qu'on avait eu lors de la dernière fois. Et je pense que d'ailleurs maintenant les vidéos, on va peut-être essayer de les faire comme ça, peut-être. On mettra sur les vidéos les pioches qu'on a eues récemment. Bon, on le fera pas tout le temps. Bon là c'est juste que, bon pour pas vous mentir, c'est tourné à pas trop de temps d'intervalle. Donc à la limite, bon, c'est... Voilà, c'est faisable parce qu'on les a toujours. Bon par contre c'est vrai que si c'était genre tourné 3 jours après... Ah, pardon, c'est pour le scotch. 3 jours après, bon là, ce serait un peu plus compliqué de pouvoir mettre notre dernière pioche en vidéo. Donc on va pas perdre trop de temps. Voilà. On va y aller tout de suite. Quand le scotch me lâchera les mains. Donc c'est 3 duopacks. Les duopacks, sincèrement, personnellement, j'ai jamais eu de la chance dans les duopacks. Origine antique, même en général, origine antique ne me réussit pas des masses. Donc on verra ce que ça va donner. Donc on va tout de suite commencer. Bah non, on met même pas d'ordre. On va prendre le premier du opaque et puis on y va. Alors, dans cette série-là, il nous en manque toujours hein, des cartes. Mais bon, après, le petit code. Non, c'est pas Lune et Soleil, ben non. Donc 3 et normalement, oui, 3, 2. Oui, c'est ça. Allez, on est parti. Alors, Métang, recycleur d'énergie, Farfaduvet. Est-ce que c'est bien cadré ou est-ce que ça va? Pyronie, Golemastok, Axolotl, Terral, Mimigal, Lien spirituel Farambe. D'ailleurs, c'est une série, personnellement, je l'adore, cette série, mais bon, elle me le rend pas bien. Donc bon, voilà. Et on termine avec un Registeel. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Bon, c'est pas grave. Allez, deuxième booster. On a de la marge, on sait jamais, on sait jamais. Ça peut peut-être le faire. Tac. Tac, tac. Alors, Farfaduvet. On va les mettre là-dessus. Ouais. Mistimaniac, Jolifleur, un Pokémon que je trouve très mignon. Ouais. Perso, j'aime bien. Le design est sympa. Les décors sont top. Enfin, ce Pokémon-là et cette carte-là, du moins, j'aime bien. Alors, Tarsal, Gringolem, Sépiatros, Balbuto, Porygon, recycleur d'énergie, un peu comme une reverse, donc un dresseur. Et on termine avec bon, bah, un petit Pyrax qui n'est même pas holo. En holo, elle est très jolie. En holoinve. Ouais, en holoinve, elle est très jolie. Mais bon, bref, premier duo pack. Voilà, ça confirme ce que je vous ai dit. La chance et moi, ça fait 4 là-dessus. Donc on enchaîne. Tac. Et on est reparti. Alors, forêt de plantes géantes pour un stade. Ok. Pyroli, trop mignon. Nivobol, Pyroni. J'ai dit quoi avant Pyroli? Ouais, non, c'est bon. Doudouvet, Gringolem, Apitrini, Sépiatros, Evoli en commune reverse. Et on termine avec. Bah, encore une fois, rien du tout. Un petit Rafflesia. Bon, même si c'est un Pokémon que j'aime bien, parce que bon, c'est la première génération. Bon, bah, voilà. On aurait pu espérer mieux quand même. Allez, suivant. Ah, je vous l'ai dit, origine antique, c'est pas. Non, c'est. Non, la série même pas. Donc moi je l'aime bien mais elle me le rend pas. Malheureusement, le petit code. Les deux derniers je vous les donnerai à la fin. Tac. Et on est reparti. Alors, Top Dresseur, Jolifleur, Forêt de Plantes Géantes, Persian, Relicanthe, Porygon. C'est bien, ouais, c'est bien cadré. Golemastok, Sepiatop, Pyroli en peu commune reverse. Bon, voilà, bah ça c'est beau. Ça j'aime. Et on termine avec. Ah, un Golemastok qui sert à rien. Enfin bon, c'est pas qu'elle sert à rien, hein, mais bon, voilà. C'est la joie des duopacks origine antique. Oh, j'en deviendrais presque dépressif. Allez, suite. Non, j'ai dit à la fin. Tac. Et on est reparti.
Alors, Aquali, Porygonde, Rouleau à peinture, Miaous, Marest, Apitrini, Sepiatros, Pironi, Aquali en peu commune reverse qu'on a eu juste avant, si, oui, c'est ça. Et on termine. Voilà, merci. Merci, au moins il y a quelque chose. Bon, on l'a déjà, si je dis pas de conneries. La 36, oui, oui, on l'a, oui. Bon. On l'a, mais au moins ça reste une ultra. Parce que bon, comme je vous ai dit, moi tomber sur une ultra dans Origine Antique, voilà. Hein, donc, voilà, on va être content. Et on termine. On verra bien. Je vous cache pas, j'aurais préféré terminer par une ultra. Mais bon. Donc le petit code et celui-ci. Donc 3. Paf. Ça, je mets comme ça. Et on y va. Ténéfix, Lissandre, Aquali, Golemastoc, Persian, Balbuto, Sepiatop, Mucuscule, Axoloto en commune reverse. Et on termine avec, eh ben avec rien du tout, avec un petit Régirock. Enfin, petit, pas si petit que ça, hein, parce que quand même, oh bah, sur 1m7. Ouais, 1m7, 230 kg. Bon, c'est un beau bébé, quoi. Bon. Bah, Origine Antique, c'est... On essaiera peut-être de s'ouvrir un display. Comme ça, au moins, normalement, là, on aura un peu plus de, voilà, de chance, logiquement. Bon, bah, le petit ou pas. Si la carte vous intéresse et si on l'a toujours, hein, n'hésitez pas à un petit MP, un commentaire ou quelque chose. Donc, bah voilà, quoi. Bon. Ah bah, 3 du opaque, un ou pas. Donc bah du coup voilà, c'est quand même très loin de ce qu'on avait eu la dernière fois dans Soleil et Lune avec vous. Bon bah on peut pas avoir de la chance tout le temps, hein, mais puis bon, on verra bien la prochaine ouverture. Et j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces bleus si vous avez envie, bien sûr, je vais pas vous forcer, ou aller chez vous, hein, y a pas de problème là-dessus. Puis surtout, bah profitez bien de votre passion. Allez, salut à tous.